Ce bazar là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est faire ce bazar? Tchit, tchit. Qu'est-ce qu'elle a cette poule? Elle bouge pas, elle est tout endormie. Alors, bonjour Fernande. Bonjour. Tu viens avec ta poule? Je viens avec ma poule, tu vois. Ben oui. Alors, qu'est-ce que t'as? Oui, mais celle-là lâche. Non, oui. Je vais pas la lâcher. Non. Parce qu'elle marcherait. Elle marche plus vite que moi. Oui. Qu'est-ce que tu as? C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger? Du blé. Vous lui avez pas donné ce qu'il fallait pas, au moins? Non. Et des pommes de terre. Eh oui. Et de l'eau. Eh oui. Parle. Tu veux pas parler? Non. Non. Je vais aller voir mon beau-fils pour voir ce qu'il va me dire de ma poule. Eh ben, ce serait plus prudent. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Augustine et Malotte. Asseyez-vous, Lucie, qu'on regarde un peu cet animal. Caillot, Augustine. Caillot, Chulado. Non, Augustine et Malotte. Y aurait-il pas eu une infection sur Saint-Amand? Mais vous n'en avez pas des infections, vous? Oh, dites, mais regardez comme elle ouvre le bec. Parce qu'elle a chaud. Paul, elle avait trop chaud. Elle ne peut pas respirer. Oh non. Elle avait trop chaud. Ah oui, et puis là, les... bon, hein. Mais vous ne nous amenez pas d'infection? Non. Qu'est-ce que vous avez fait à cette poule? Regardez, elle ferme l'œil, le bec un peu glauque. Fous-lui un coup de bec, pauvre Gritiassou. Oh non, là, c'est du sérieux, ça. C'est... Mais non. Non. Augustine et Malotte. Non. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, je vais... On va appeler le vétérinaire. Non, pas de vétérinaire. On va appeler le vétérinaire, on ne peut pas laisser la poule comme ça. Je vais appeler... Non. Vous allez mettre tout en place, vous mettez les quatre barrières, vous mettez en place ce qu'on avait dit, la désinfection, vous faites un couloir d'entrée. Ouais. Allez.
sanitaire. Regardez, elle est en dessous des écarts, ma fille, maintenant. C'est rien du tout. Bah oui. Mais oui, mais c'est ton tracteur, il ne monte jamais. Allez, désaffectez-moi ça vite fait, allez, ramassez-moi ça. Les chaussures, hein, tout le monde. Hein. Bah, c'est sans l'équiper, monsieur. C'est bon. Bah oui, allez. Mais vraiment, dans quel vent. Il vaut mieux prévenir guérir, on a dit directement. Ah bah oui, c'est ça. Oui, bah occupez-vous. Ça prendra 2 minutes. C'est important à gérer, mais. Oui, monsieur, merci, bonne soirée. Tout le monde doit prendre le couloir. On en a entendu d'autres. Hein. Alors, ça commence. Mais c'est pas le petit jeune homme qui va nous commenter. Ah, exactement. Vous allez nous embêter avec des trucs de désinfection de poule, je sais pas. Stop, mesdames, stop. Faites les semelles, les gars. Semelles et béquilles. Ils vont nous respecter nos chaussures, c'est pas vrai. Vous nous empêchez de faire notre travail, nous sommes journalistes. Tu coupes ta caméra, coupe ta caméra, coupe là. Il y a... Là-bas. Bonsoir madame. Bonsoir. Evelyne Grimbert, Télémontagne. Vous pouvez nous expliquer ce qui vient de vous arriver? Ben en fait, on vient nous prévenir qu'on décontaminait la voiture. On va chez des amis, on cherche des amis qui cherchent, ils font des frites et donc voilà, là on n'a pas trop d'explications, on sait pas trop. Vous savez ce qui va se passer, donc votre poule, je pense que vous avez une poule à laisser. Non, si madame, écoutez, c'est un risque, d'ailleurs je m'approche, je ne devrais pas. Pourquoi vous trimballez avec une poule un soir? Madame, vous le saviez non? Non. Nous on a des directives madame, on ne laissera pas passer votre poule. Eh ben je m'en vais. Mais vous êtes obligé de passer par là. Et vous arrêtez. Vous, ensuite, attendez madame, si vous le prenez comme ça, vous me rejoignez derrière. On va avoir une petite discussion en rapport à ça. On récupère la poule. Vous faites les pieds les gars, madame? Chevalier. Et vous n'avez pas peur de transporter une poule avec tout ce qui se passe dans le village aujourd'hui? Non, mais ma poule a rien et moi non plus. Des camions, des lumières qui font peur, des gens agressifs, vous trouvez ça normal? Mais c'est les fous qui font ça. Vous pensez qu'on a un gouvernement de fous? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Parce que la population entend parler et la raison qui est donnée, c'est une poule. Ici, on parle de désinfection et décontamination pour une épidémie. Donc, oui, les choses ne sont pas très logiques. Qu'est-ce que c'est que ce cirque là? Mais la breu. Mais... Bonsoir. Vraiment, là, vous allez affoler les populations. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Monsanto. Monsieur, qui êtes-vous? Pardon? Qui êtes-vous? Je suis le chef du bureau de répression épidémique. C'est ce que je viens d'expliquer à la journaliste. Nous sommes là juste pour un petit contrôle et une désinfection de certains véhicules dans le village. Un petit contrôle. Mais monsieur, vous me demandez qui suis-je, je me suis présenté. La moindre des choses, ce serait que vous vous présentiez. Je suis le vétérinaire. Pardon? Je voudrais bien savoir, je suis le vétérinaire de ce village. Je n'ai été informé de rien. Comment vous êtes là? Ah bah écoutez, donc nous, un vétérinaire a été prévenu. Apparemment, ce n'est pas vous, je ne sais pourquoi. C'est remonté au service vétérinaire de Marmilla. Je suis étonné que vous ne soyez pas au courant. Ah non, écoutez, on n'alerte pas du tout. Peut-être que la présence des médias est là pour
grossir la chose. Toujours est-il que nous, on fait ce qu'on nous demande. Moi, j'ai mon métier, je fais mon métier. Tiens, je vais en référer. Voilà. Simplement. L'autorité supérieure. Mais écoutez, allez-y, les services vétérinaires sont au courant. C'est même eux qui nous ont alertés au ministère, donc il n'y aura pas de souci. Chut ! Chut ! Chut ! Monsieur Monsanto de la BRE. Ouais. On s'est déjà rencontré. Ouais. Donc on va faire un contrôle assez strict. Donc je vous posais deux, trois petites questions déjà. Est-ce que vous avez les papiers en rapport à vos poules ? Oh, moi je n'ai pas de papier. Vous n'avez pas de papier, donc c'est des poules qui sont arrivées comme ça ici. Que j'ai mis couvé. D'accord. Ensuite, le conditionnement de vos poules, c'est-à-dire vous les laissez où ? Le poulailler, elles se trouvent où ? Elles sont là. Et donc tous les soirs, vous rentrez vos poules dans le local là ? Et bien sûr. Le poulailler. Pour le mettre à l'abri des durnards. Donc on va rentrer un peu dedans. Allez-y, rentrez, les... Ah oui, effectivement, oui. On doit vivre là, les poules. Ah, regardez, regardez, il y a donc un nid d'hirondelle. Donc l'oiseau qui peut véhiculer le... l'épidémie, là, le virus. Donc faites le total, hein, la poule qui est là, la poule qui est cachée dessous. Bon réflexe, hein, monsieur. Donc en fonction de l'état de votre poulailler, il va falloir qu'on fasse un prélèvement ADN sur une de vos poules. Donc il va falloir en attraper une. Hein. Eh ben, attrape-en une. Allez. On peut y aller ? Allez, allez. Je pense que celle qui était dans le poulailler, ce sera le meilleur. Mais à gauche et à droite. Pour l'attraper. C'est quand même des experts, hein, donc... Voilà. Allez-y, allez-y, hein. Vous croyez un peu plus énergique que ça, là, hein, les gars, hein. Ouais, mais on n'y arrivera pas, hein. Allez, où ? T'as des cons... Éduqué, comme poule. C'est vivre en liberté, c'est cool. Allez, arrêtez. Je vous porte la poule que vous cherchez. Merci, vous auriez pu nous faire ça d'entrée, hein, madame Chevalier. Ça nous aurait évité de... Je vais vous prendre la poule. Tiens-la, parce qu'elle va se sauver. Oui. Alors, je vais vous demander le prélèvement ADN, là. Essayez d'introduire ça, là, un peu de salive. Vous faites-en un deuxième, on ne sait jamais. Bon. Surface. Ah, c'est parfait ça. On est bien. N'hésitez pas, donnez ça à votre collègue qui met ça en... Et vous avez vu où sont vos poules dans les conditions où elles vivent. Il n'y a rien de désinfecté. Vous ne parlerez pas de l'odeur, ce qui peut paraître normal, mais quand même. Elles sont en totale liberté, en contact avec plein d'autres animaux. Pour vous, c'est normal. Oui. Écoutez. Il n'y en a pas d'autres animaux, elles sont toutes seules là. Vous voyez d'autres animaux? Bah, je peux vous insister, il y a une hirondelle dans votre poulailler. Ah, oh, bah ça. Donc l'hirondelle peut véhiculer la maladie. Ah, oh, bah mais on ne peut pas l'arrêter, l'hirondelle. On ne peut pas arrêter l'hirondelle, mais on pourra arrêter les problèmes, hein, s'il y en a trop. Oh, tu commences à m'embêter. Non, mais. Et allez. Juste les papiers. Vous n'avez pas les papiers de votre poulailler? Je n'en ai pas. Alors, tu veux que je te passe un coup de bâton? Non, mais. Ne vous agacez pas, madame Chevalier, je vous tout demande. Tu passerais à cadarin l'orienté. Non, non. Allez, foutez le camp et repartez de vous être venu. Allez, allez. Vous énervez. Allez, ouais, je passerai à cas de tartissou d'arrêt l'orien. Ils sont tarés là-dedans. Ils sont fous. Ouais. C'est les gens de la campagne. Mais heureusement que ces gens-là sont un peu âgés parce qu'on se faisait virer à coups de fourche. Hein. Oui. D'où l'utilité du casque. Oui, effectivement. Allez, ça doit être sur le bas du village. Donc on fait juste un petit contrôle, on désinfecte les endroits où on va passer et tout devrait aller tranquillement. Bonjour messieurs. C'est pourquoi Monsanto pour un contrôle. Contrôle de quoi?
On contrôle de votre poulailler, madame. Pas, j'ai pas besoin d'être contrôlée, et c'est pas un poulailler. Madame, ça va se passer dans le calme, dans le respect, chacun. Non, mais vous n'utilisez pas vos merdes, hein. Non, mais vous moi zéro, pas. Moi, hein. Ça, ça a été étudié par des. Non, avec une tête de mort dessus, vous ne vous approchez pas de mes poules avec non, ça. Non, hein. Ça, c'est par rapport à notre sigle, Bureau des répressions épidémiques. D'accord. Quoi, et une épidémie de quoi? Eh bien, justement, madame, c'est ce qu'on va chercher à comprendre. Quelle est cette maladie? Comment elle se propage? Pour pas que ça prenne des proportions. Non, mais vous la regardez d'ici, elles vont très bien. Non, nous allons. Mes poules, elles vont très bien, vous voyez? Écoutez, on va voir. Non, mais. De toute façon, contrôlez vos installations. Non, vous arrêtez là, vous n'allez pas contrôler mes installations. Contrôler de visu les installations. Ouais, de visu, voilà. Non, vous mettez pas trop bien mes poules. On va avancer, on n'ouvrira pas la porte, madame. Là, vous me pulvérisez rien du tout. Ne vous inquiétez pas, c'est le sol, il n'y a rien de. Ouais, je vois. Hein, je vais vous demander de poser votre. Ouais, vous avez peur? On sait jamais? Vous m'avez l'air un peu hostile. Hein. Non, surtout oui, je pense. Vous voyez. On n'est pas là pour. Hop. Vous voyez mes cocos? Non, juste les ustensiles, madame. Juste les ustensiles. Ouais, non. Les ustensiles, madame. Zéro. Ouais. Et vous désinfectez quoi, là, les orties? Oui, tout à fait, madame. Très bien. Et c'est mes framboises, alors vous allez surtout pas les toucher, parce que sinon je vous secoue. Vous mangez les fruits qui sont en contact avec le poulet, et ainsi de suite. Et je mange même mes œufs. Donc voilà, regardez. Et vous leur donnez quoi, manger, vos poules, là, je vois les... De la pâtée, des céréales. Et de la pâtée de... Du pain trempé, des biscottes, du gâteau, des salades. D'accord, et est-ce que vous avez eu l'origine des poules, la provenance? Et vous la voulez, mon origine? Allez, dehors, l'origine des poules, elles sortent d'un œuf. Vous voulez voir, là? Allez, d'accord, hop. Vous avez acheté où, madame? Allez, mes poules, elles sortent d'un œuf, alors allez-y. Vous le prenez comme ça, madame? Mais je le prends bien. Écoutez, vous serez convoqué par les autorités, vous aurez le contrôle. Oui, c'est ça. Oui. Allez. Moi, mes poules, elles vont très bien, elles me font des cocos, alors ça suffit. Hein. C'est bien, madame. Tout. Oui, c'est madame, oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Allez, Monsanto dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Monsanto de la BRE. Oui, mais... Nous venons faire un petit contrôle. Mais il n'y a pas de malade ici avec vos blouses blanches. Ne vous inquiétez pas, madame, on est juste là pour un petit contrôle. Contrôle les blouses de blanches. Pour un contrôle par rapport à ce que nous avons su sur vous, il paraît que vous préparez de la nourriture pour des poules. Je n'ai pas de poules. Mais il paraît que vous nourrissez des poules de personnes de Saint-Amand qui ont des poules. Mais il n'y a pas de poules. Donc à rapport à ça, nous venons faire un contrôle de votre jardin. Et vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais qu'est-ce que le jardin a à voir avec ça? Mais écoutez, madame, on va juste procéder à un contrôle, ne vous inquiétez pas. Venez voir. Alors regardez un petit peu. Là, s'il n'y a pas de gelée avant, il y aura peut-être un potiron, on ne sait jamais. Seulement, je pense que j'ai été utopique en les repiquant. Je les ai repiqués un peu trop tard. C'est quoi, madame, ces plantes jaunes? Ces plantes jaunes, ça j'appelle les onagres, c'est plus court, mais ce sont les onagraires. C'est parti d'un plan, quelqu'un m'avait donné un plan, et puis voilà, ça a essaimé dans tout le jardin. Et donc ça fait ce que ça veut dans le jardin? Ce que ça veut. Ce n'est pas moi qui commande dans mon jardin. On fait de la confiture avec ses fruits, c'est-à-dire les groseilles? Avec les groseilles, oui, bien sûr. D'accord. La gelée de groseille, mais tout le monde fait de la gelée de groseille. Donc là, pareil, et ça ne sera pas pour les poules, croyez-moi. On ne pas ça aux poules. Ah non, on ne mange pas. Mais on ne nourrit pas les poules à la confiture. Ah, écoutez, moi, je suis parti de ce que j'ai entendu, je viens faire un contrôle. Après, oui, bon, mais il faut faire votre contrôle, faites-le correctement. Je vous signale que les tomates qui ont mûri sur le plan, mais il faut attendre qu'elles soient mûres. Vous les dégustez là, elles sont sensationnelles. Il ne faut pas les cueillir à moitié vertes. Oui. Alors moi, si j'ai des plants de tomates, c'est pour les déguster là, sur le plan. Et je ne vais pas les donner aux poules, jamais. Non, mais c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que ce n'est pas pour les poules, mais pour vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de poules dans les environs. Il ne faudrait pas que tous les animaux soient contaminés partout, ce serait bien dommage. Je suis bien content que vous ayez compris ça. Non, mais bien sûr, l'embêter. Il faut prendre des précautions, il faut faire les choses sérieusement, monsieur. Tout à fait. Oui. Allez-y, je vous suis, madame, allez-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Nous allons procéder à un contrôle. C'est à vous tout ce poulailler, jeune homme? Oui. Vos parents sont pas là? Non. Déjà, vous allez me faire inspecter où dorment les poules. Ils vont se faire attaquer.
je rentre pas là-dedans, vous allez me faire désinfecter tout ça, s'il vous plaît. Ça, à quoi ça sert, jeune homme? Pour le dépoule. Oui, un nid d'infection plutôt, non? Non. Si, si, un nid d'infection. Ici, vous faites votre jardin potager? Oui. À côté de tout ce qui est, excusez-moi le terme, mais sale? Oui. Oui. Écoutez, vous garderez vos légumes pour vous, donc on verra ça aussi. Qu'est-ce que cette chose? C'est une tombe. Pardon? Une tombe. Une tombe? Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mort là-dessous? Oui. Ouais. Donc là, c'est même plus de la désinfection qu'il va falloir faire. Pour vous, c'est bien en ordre ici? Oui. Ouais. Vous avez déjà mangé des œufs de vos poules ou des volailles? Oui. Et pas malade, rien? Non. Bon, ben dis donc. N'hésitez pas sur la caisse, là. Désinfectez bien la poignée, là, s'il vous plaît, là. Merci. Donc vous transportez vos volatiles là-dedans? Oui. Non mais asperge-moi là, il est folle celle-là. Non mais fais attention qu'elle ne t'attaque pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe sous ces bâches noires? C'est des cabanes. Des cabanes? Bah oui. Pour les poules? Bah presque. C'est-à-dire que vous restez là-dedans? Avec les poules. Avec les poules. Et ça, c'est quoi, jeune homme? Ça, bah c'est de notre jardin. C'est pour amuser les poules. Oui. Vous me passez-y un petit coup vite fait là. Bon, j'ai bien peur d'une chose, c'est que là, la désinfection, elle va servir, mais elle va pas servir à grand chose. Pour moi, faut tout raser ici. Donc on ira avec vos parents. Que ça soit volatile, cabane et tout, la meilleure chose pour désinfecter, tout raser, reprendre quelque chose à zéro, c'est mettre le feu. Bon, je vais prendre ton nom, jeune homme, et tes coordonnées pour que je puisse avoir tes parents rapidement. Dégagez pas, con. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils sont chiens, ceux-là, hein? C'est clair. Hein. Non, mais oh! Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Astier? Oui. Bonjour. Je suis le contrôle de la BRE. Ah non, non, ça commence à bien faire. Là, j'en ai ras-le-bol, la BRE. Hein. Vous voulez arrêter par rapport à votre fils? Non, et... non, non, je ne vous parlerai pas, ça suffit. L'autre jour, vous m'avez déjà arrêté. Ça suffit. Vous dégagez le plancher, il y en a ras-le-bol de vos trucs. Hein. Vous prenez comme ça? Oui, oui, faites ce que vous voulez, vous dégagez. Écoutez, vous verrez avec votre enfant ce qu'on lui a promis pour son poulailler, si jamais. Oui, mais on verra pour le poulailler, vous n'avez pas intérêt à vous y ramener au poulailler. On a parlé des papiers. Non, il n'y a pas de papier à fournir, vous m'emmerdez, alors vous dégagez, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de vous. Écoutez. Ça a suffi l'autre jour, et déjà vous avez fait des contrôles. Hein? Est-ce que vous avez vraiment le droit de faire ça? Écoutez, je ne sais pas. Non. Vous n'aurez rien, vous m'emmerdez. Je l'ai dit l'autre jour, les services vétérinaires me chargent d'une mission. Mais j'en ai rien à foutre des services vétérinaires, moi. Eh bien écoutez, vous serez contacté par les services vétérinaires. Oui, mais par le président de la République, si vous voulez. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. On n'en tirera rien de cette dame. Alors, je vais. Qu'est-ce que vous voulez, les petits? Il y a les BRE, ils envahissent tout. Et ils ont envahi le jardin d'Alexis. Enfin, ils contrôlent tout le monde. Ah bon? Oui. Ils contrôlent tout le monde, mais ils sont allés chez Aristide? Oui. Ils ont dit qu'il fallait tout raser aussi. Quoi? Ils ont dit qu'il fallait tout. Mais qu'il fallait raser quoi? Tout le jardin, tout son poulailler. Et pourquoi il y a eu des problèmes chez lui? Non, mais ils disent que c'est pas énorme. C'est-à-dire ils veulent brûler le jardin d'Aristide? Ouais. Parce qu'ils ont trouvé que le jardin avait été pollué. Il y a quoi? Il y a des. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans son jardin? Rien, mais ils disent qu'il y a des problèmes avec les autorisations. Ça, alors là, ça les petits, je peux vous dire, ça c'est la paperasse habituelle de l'administration. Mais enfin, que ça prenne une proportion pareille, qu'ils viennent chez Aristide, nous on est dans un. On est dans un petit village, on est dans une campagne, il n'y en a jamais eu de problème avec... Jamais de problème. On a des petits paysans, ils font leur travail tranquillement. Je comprends pas.
Je comprends pas. Moi, je suis en train de travailler sur un livre, justement, qui parle de ces choses, où j'essaie de montrer qu'il faut prendre l'exemple de ce qu'on fait chez nous avec des petits paysans qui produisent d'une viande de qualité, qui produisent un lait de qualité, et qui vendent aux habitants sans jamais un problème de contamination quelconque. Vraiment, je suis très très étonné parce que vous me dites. Vous savez, moi, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire avec cette histoire. C'est quelque chose qui va se dégonfler comme un ballon. Ça va se dégonfler d'un seul coup.